arrêtons l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il y a autre chose à faire. Le gaspillage de l'argent public, il y en a marre. Coup de force ce matin des opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Au pont de Cé, près d'Angers, dès 7h ce matin, une cinquantaine de personnes a bloqué l'entrée du laboratoire régional des ponts et chaussées. En s'enchaînant aux grilles de l'établissement, ils ont empêché la sortie de deux foreuses attendues aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, pour des sondages de parcelles. Objectif de cette mobilisation, obtenir un rendez-vous avec la secrétaire d'État à l'écologie, Chantal Jouanneau. Les manifestants considèrent comme un désastre écologique et économique le transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes. On considère en fait ce projet de l'aéroport de Nantes dans le même schéma que ça s'est passé à Angers-Marcé il y a plus d'une dizaine d'années lorsque l'aéroport de Angers-Marcé a été construit. Déjà à l'époque on dénonçait un peu et on présageait et aujourd'hui ça nous donne raison qu'il allait être inutile et que ça allait coûter beaucoup de frais au niveau des collectivités locales et des contribuables. Selon les militants, ce projet d'aéroport est contraire aux conclusions du Grenelle de l'environnement. Il mettrait également en péril une partie de la cinquantaine d'exploitants agricoles qui travaillent sur les 2000 hectares concernés. Pour eux, il faut faire avec les aéroports déjà existants. Ça veut dire aussi une économie solidaire dans la région et non pas un développement uniquement de Nantes. Car à travers ce projet de délocalisation d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est quand même renforcer Nantes avant tout. Ça veut dire conforter l'image d'un Jean-Marc Ayrault, d'un Auxiette ou d'un Patrick Maréchal qui veulent tirer toute l'économie sur Nantes. Cet après-midi, après avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture de région, les manifestants ont mis fin à leur blocus. Ils attendent toujours de rencontrer Chantal Jouanneau. Il y a quelques jours, à Angers, la secrétaire d'État défendait le projet de transfert d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le premier décollage est prévu pour 2015. Vraiment, c'est du harcèlement, hein. C'est vraiment... Faut vous soigner. Hein. Apparemment, Roselyne Bachelot n'a pas apprécié qu'un confrère lui demande pour la énième fois si c'est elle qui conduira la liste UMP pour les régionales de mars prochain. Samedi matin, la ministre de la Santé et des Sports était à Saint-Sylvain-d'Anjou pour l'inauguration d'un complexe sportif et d'une bibliothèque. Christophe Béchu, présenté comme son possible ou probable remplaçant à la tête de cette liste, était également sur place. Du coup, le président du Conseil général de Maine-et-Loire a dû une nouvelle fois expliquer qu'il n'était pas, pour l'instant, candidat à ce scrutin. Je le redis encore une fois s'il en était besoin. Il y a aujourd'hui une candidate qui est Roselyne Bachelot. On m'a demandé de réfléchir à l'hypothèse d'être candidat si elle devait ne plus l'être. Un, on n'est pas dans ce cas de figure. Deux, je suis le temps de la réflexion que nous y serions. Merci à tous. Bref, ni l'un ni l'autre ne veulent en dire plus sur le sujet. La ministre de la Santé acceptant cependant de dresser un portrait élogieux de Christophe Béchu, sans évoquer cependant les régionales. Il m'inspire de l'estime, de l'affection. Je dois dire que nous avons la chance d'avoir ici en Anjou, dans la majorité, des hommes et des femmes politiques de grande qualité. Et Christophe Béchu fait partie de cette équipe Anjou. La suite au prochain épisode avec peut-être enfin l'épilogue de cet insoutenable suspense. Une nouvelle maternité sur l'agglomération angevine. Voilà le projet dévoilé hier à l'occasion d'une journée portes ouvertes par l'école des chiens guides d'aveugles de l'Ouest implantée à Bushmaine. Cet équipement, dont les travaux pourraient débuter dès l'an prochain, permettra de faire naître et d'élever de très jeunes chiots. Pour l'instant, ce sont des familles d'accueil qui prennent en charge ces animaux et qui leur inculquent les premiers éléments de discipline. Mais attention, il s'agit d'une véritable éducation et pas question de se laisser attendrir. Ce que je fais là, c'est assez rare, on ne porte pas trop, on n'a pas trop le droit de porter, puis on peut pas, ça ne dure pas longtemps, hein. Ils grossissent très vite. Non, il faut vraiment être assez rigoureux sur les sorties, on doit aller beaucoup en ville, on doit prendre les transports en commun, on doit respecter les règles données par les éducateurs pour que le chien suive le parcours qu'il doit suivre, parce qu'arriver au bout, en rentrant en éducation, si on n'a pas appliqué les consignes qui nous ont été données, l'éducateur n'arrivera pas, enfin aura beaucoup plus de difficultés à mettre tout son travail en place et ça pourra entraîner le chien à la réforme. Chaque année, l'école des chiens guides d'aveugles de l'Ouest remet gratuitement entre 30 et 35 animaux à des personnes qui souffrent de déficiences visuelles plus ou moins profondes.
Gaylord Sikar en est à son deuxième chien. Et depuis le mois dernier, il est guidé par Cachemire. Déjà, moi, ce que je ne pourrais pas faire sans lui, bah, c'est éviter tous les obstacles. Tous les obstacles, tout ce qui est les poubelles, tout ce qui est les chaises de café, tout ce qui est les poteaux, tout ce qui est les travaux sur les trottoirs. Rappelons que l'école des chiens guides d'aveugles de l'Ouest est financée uniquement par des legs et des dons de particuliers. La vaillante Élise Table peut fêter ça. Vendredi soir, les vaillantais ont battu l'équipe de Nieder Österreich à la salle Jean Bouin. Un véritable exploit quand on sait que cette équipe autrichienne est une des favorites pour le titre européen de Ligue des Champions. Le prochain rendez-vous européen aura lieu vendredi soir en Allemagne. Les vaillantais rencontreront un autre grand d'Europe, l'équipe d'Oschenhausen. Un autre exploit en terre allemande pourrait alors laisser les portes des quarts de finale entrouvertes. Bertrand Tavernier était à Angers samedi au cinéma Les 400 coups pour parler de son dernier film tourné aux États-Unis avec Tommy Lee Jones et intitulé Dans la brume électrique. Grand écart cinématographique, le réalisateur commence cette semaine le tournage d'un film historique français en Anjou. Ben pour moi, un des grands plaisirs de faire du cinéma, c'est de pouvoir voyager dans le temps, c'est de pouvoir voyager dans l'espace, c'est de pouvoir passer de l'Amérique à la France, de la Louisiane d'après Katrina à la France des guerres de religion. Je trouve ça formidable, c'est un pouvoir magique. Le tournage de son nouveau film, La princesse de Montpensier, a débuté aujourd'hui au château du Plessis-Bourré. Ce lieu sera le cadre d'une partie de l'intrigue historique. Je suis tombé très très vite amoureux du château de Plessis-Bourré. Je trouvais que sa topographie collait aux scènes du scénario, qu'en plus il avait une élégance, une force, une aristocratie et qu'il était intéressant à filmer sur tous les angles. A noter un beau casting sur ce tournage, les acteurs Lambert Wilson, Gaspard Ulliel et Mélanie Thierry ont répondu présents.